Dans cette vidéo, je vais tester ma nouvelle souris sans fil, donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour obtenir un Big Mac et balance la trouille, Jean-Louis ! Salut à tous, c'est Maliard sur PG Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, je t'invite à me démonter cette barre des pouces bleus. Objectif, 10 likes pour cette vidéo. Car dans cette vidéo, je vais tester la nouvelle souris sans fil. En gros, c'est une petite souris, je vais te la montrer dans 2 secondes, que j'avais besoin lors de mes streams ou autre. Donc j'ai commandé une petite souris à 10€ pas cher et on va la tester. On pourra pas utiliser toutes les touches de construction parce que c'est pas ma G502 et il y a que 2 boutons. Mais je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà la petite souris. Après je vais vous montrer comment elle rend une fois déballée. Il y a une petite souris classique sans fil là. Donc la souris elle a quand même de la gueule. Elle est plutôt sympa, je vous la montre, voilà. L'avantage c'est qu'elle est sans fil. Et surtout il n'y a pas besoin de fil. Ça se recharge en USB. Donc on peut simplement la brancher s'il n'y a plus de batterie. Et franchement ça a l'air d'être flexible. Il y a 2 boutons là. Il y a moyen de régler les DPI. On va la tester directement. Donc les DPI vont de 800 à 1600. Avant que la vidéo commence et qu'on teste directement la souris, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et à me rejoindre dans la description. Il y a mon Insta et mon Twitter. Sur Twitter, j'ai à peine 30 abonnés. Sur Insta, on n'a pas les 100 abonnés. Donc ça serait cool de pouvoir au moins atteindre les 100 abonnés sur Twitter et Insta. Parce que de temps en temps, je mets des petits tweets pour les abonnés, mais il n'y a personne, donc je suis obligé de les retirer. Donc n'hésite pas. Tu peux également te sub à ma chaîne YouTube pour 4,99€. Si tu acceptes un ami, tu deviens plus facilement modérateur. T'as des grades, des émoticônes et des matchs exclusifs sur la chaîne YouTube et sur le serveur Discord. Et surtout, ça me soutient. Donc merci à toi si tu le fais. On est directement avec la souris. Ah ouais, ça tourne rapidement. Les DPI, je sais pas, je suis à combien. Là, je pense que je suis à 800. On va directement essayer de construire. Je me suis pas échauffé. Waouh. Ah ouais, c'est tendu, hein. On va pas faire d'arène avec une souris comme ça, gros. Petite souris à 10 balles. Mais il y a des bonnes petites sensations. Il y a moyen de faire des petits trucs. Je peux pas changer d'arme et je peux pas mettre de sol. Ah, ça va être délicat. Mais bon, on teste la souris pour la science pour voir si ça vaut le coup. Même si je vous conseille des souris filaires. Parce que c'est quand même mieux. Même s'il y a des souris sans fil qui ont une bonne réactivité. On sait jamais. Vous savez quoi? Je sais ce que je vais faire. Je vais aller sur un compte secondaire. Tu vas me dire pourquoi. Comme ça, je pourrais mettre les touches que je veux. Je m'en foutrais. Alors que là, si je commence à modifier des touches, ça va être vraiment la merde. Donc on se retrouve dans 2 petites secondes. Et moi, je vais sur un compte secondaire. Et voilà, on se retrouve directement sur l'autre compte. C'est parti. On s'en fout. PG Gaming Vidéo. Et oui, on l'a renommé comme ça, le petit compte. Oui. Donc, on va directement dans les paramètres mettre ses touches. Et me voilà directement en game sur l'autre compte. Hop, on prend l'arme, on prend l'arme. Est-ce que ça prend bien l'arme? Voilà. Ouf, ah ouais, c'est... Wow! Comment je vais construire, moi? Attends. Eh, c'est tendu, vraiment. Par contre, il y a des bonnes sensations. C'est vraiment réactif pour une souris. Non, j'ai rien dit. C'est réactif. C'est juste que là, il n'y a presque pas de touche. Et c'est vraiment tendu. Wesh. Eh, c'est compliqué. Hein. Moi, je pense qu'on va lancer une petite game là. Parce que là, c'est un peu horrible. Hop là. Parce que, en fait, j'explique. D'habitude, sur ma souris, j'ai pas mal de boutons. Et là, je peux déjà pas mettre mon sol. Donc, je suis pas habitué à pas pouvoir mettre mon sol. Oh là là, le monstre! Putain, on va aller directement en game et ça va être un massacre, les gars. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez d'autres idées comme ça, dans le même type. Ou si tu veux que je fasse des tutoriels en informatique sur Fortnite ou autre, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Mais bon, cette idée est un peu merdique. On va lancer en quoi? En solo, hein, parce que... J'en peux plus, gros. J'en peux plus parce que je suis à moitié abruti. Surtout que la souris, bah... Bon, pour l'instant, c'est une note de 4 sur 10, la souris, vraiment. Après, on va tester. Oh, je vais me faire déchirer. J'espère que les mecs, ils sont une pitié, je vous en supplie. Allez, avant, like, je refais un autre truc dans ce genre-là. Mais après, il me faut d'autres idées. Et je peux pas me permettre d'acheter que des souris, des trucs comme ça. Allez, au farm, il y a que des bottes, là. Je te jure, c'est des bottes, ici. Oh, la map. Merde. On va aller où, les gars? Allez, on est des bonhommes, première ville, dirty. C'est parti. Je peux pas... J'ai pas de course auto. Oh le con, je n'ai point de course auto. Eh, ça va être vraiment difficile de faire des kills. Le but c'est pas de faire top 1, c'est de s'amuser histoire 2 et voilà quoi. J'arrive pas à prendre mon arme. Mort! J'ai un monstre! Allez, ça dégage. Une bonne sensation. Ah, ah.
Wesh, il m'a fait peur ce con là. Wouh, déjà 3 kills à mon actif pour le joueur avec une souris sans fil. Let's go. Faites pas des frayeurs comme ça, mon pote. Wesh, y'a combien de personnes? Oh putain, c'est la galère. J'ai bien fait de prendre un coup de secondaire, hein, vraiment. Même pour tourner, c'est bizarre la sensation. Bon bah, on va rusher les cocos. Hein. Est-ce qu'on peut danser? Allez! Allez! Le flexeur, hop, hop. Allez! On va transformer son arme en petite P90. Et on est déjà 5 kills, les gars! Même si c'est des joueurs qui débutent ou des bots, quand même! Ah, pas avoir la course auto, c'est un peu casse-couille, mais bon, vas-y. On va dire qu'on peut le faire pendant une vidéo. Putain, c'est un peu compliqué de s'habituer. Je suis obligé de jouer comme ça, les gars, désolé, hein, sinon je risque de me faire péter. Et pour switch d'armes, c'est vraiment compliqué. Allez, mets les murs! Oh, ça va que j'ai le shoot, frère. C'est vraiment compliqué. J'arrivais pas à mettre mon cône. J'ai tellement bégayé que j'arrivais pas à mettre mon cône. On est déjà à 8 kills, les potes. Ça va que mon shoot, il reste quand même plutôt... C'est un malade. Ils sont nuls, mais bon, je kiffe. Au moins, c'est le concept 10 kills avec cette souris, gros. Je suis un fucking monstre. Vraiment, je suis un monstre. Bonne chance, hein, pour Pad, wesh. C'est abusé. Ah. Oh, ça a pas tiré. Oh, et comment ils sont nuls. Ouais, gros. Ah, c'est assez horrible de jouer avec cette souris. Mais ouais, frère. Oh, ils sont trop nuls. Je te jure qu'avec ma souris, c'est impossible de pas faire une tranquille. Bon, bah, je pense que je vais pas relancer de game. Pourquoi? Parce que on a vu à quoi ressemblait la souris. Je vais vous donner un peu mon avis. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une souris à 10 balles ou vaut mieux investir dans une souris à 50 balles? Déjà, dans un premier temps, je vais mettre une petite note de 4 sur 10. Pourquoi? Parce qu'elle est sympa pour les streams et tout, mais pour jouer, c'est non. Quand tu veux mettre des murs, on dirait qu'il n'y a pas de turbo build. C'est horrible. Et en plus, il n'y a que 2 touches. Donc, si tu veux une petite souris tranquillou pour travailler et tout, pas de souci. Elle est nickel. Mais par contre, si tu veux jouer à Fortnite, n'achète pas de souris sans fil à 10 balles. Hein. Non, 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 non. Et surtout que... Bon, c'est assez compliqué de jouer dessus. C'est pour ça que je ne vais pas me permettre de refaire une autre game, surtout qu'ils ne sont pas très forts. Tout ça pour faire un petit top 1. Non, je pense que là on a assez vu. On va arrêter le massacre. Je vais vous laisser là-dessus. Moi je vais aller tourner d'autres petites vidéos tranquille à la belette. C'était RPG Gaming. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à mettre le mot souris dans les commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir. Moi je vous laisse là-dessus. Et ciao tout le monde.